Bonjour, bienvenue aux amours. Bonjour à tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, et bienvenue dans les amours en mer. Pour cette première manche, Corinne, tu vas avoir une ardoise. Ok. Et il ne faut pas, surtout pas que Michel regarde les réponses. Pourquoi ? Parce que je vais poser des questions à Michel sur comment toi, tu réagirais. Donc, il y aura à chaque fois trois réponses. Tu mettras, toi, tu auras juste à marquer 1, 2 ou 3. On laissera le temps de la réflexion afin que toi, tu mettes ta réponse et lui, de me dire la réponse que lui pense que tu as mise. Ok. Est-ce que j'ai été assez clair ? Oui. Ok. Donc, on va commencer sur la... Pour la première manche, des amours en mer. Alors Michel, on est en mer, à la baie des Russes, et tout à coup, on va laisser passer le bateau, et tout à coup un catamaran rempli de touristes se mouille l'ancre à côté de vous. Et tout à coup, on peut remarquer une... délicate et jeune demoiselle se promenait en bikini sur le catamaran. Alors, pour Corinne, ce serait scandaleux. Première réponse, il faudrait songer à appeler la police pour signaler un attentat à la pudeur. Ce serait, deuxièmement, charmant, enfin une belle fleur à contempler. Ou alors, ce serait frustrant, quelle idée de garder son bikini avec une telle chaleur. On va laisser Corinne répondre. Scandaleux, charmant ou frustrant ? Oh, charmant. Charmant ? Charmant. La réponse ? Charmant. Et c'est tout à fait charmant, bravo, ça fait un point pour le couple. Deuxième question. Corinne remarque que tu ne portes plus ton alliance. Comment réagit-elle ? C'est la panique à bord, elle suspecte une demande de divorce imminente. Deuxième réponse avec humour, la double vie que tu mènes avec ta maîtresse vient d'être démasquée. Ou alors vexante, c'est forcément votre soudaine prise de poids qui explique cela. La dernière, la prise de poids là que t'as dit. Vexante, c'est forcément ta soudaine prise de poids qui explique cela ? Bah oui. Eh, c'est encore une bonne réponse ! Bravo, bravo, bravo ! On arrive à la question co. À la question in, à la question coquine. Alors, Corinne retranscrit tous ses fantasmes dans un roman. Selon toi, Michel, quel en serait le sous-genre ? Le quoi ? Le sous-genre, le genre du roman. Alors, est-ce que ce serait plutôt sulfureux, si chaud que Rocco Siffredi pourrait l'adapter à l'écran ? Ou alors ce serait deuxièmement érotique ? Un récit qui éveillerait raisonnablement les sens. Ou alors ce serait, troisième réponse, mièvre à classer entre Martine à la ferme et au pays de Candy. Non, la 2, elle me plaît. Érotique, un récit qui éveillerait raisonnablement les sens. Ouais. Corinne, et c'est encore une fois une bonne réponse. Michel, si ton couple... Si votre couple devrait porter le nom d'une ville, ce serait Venise pour le romantisme qu'elle incarne, Las Vegas pour le luxe, la débauche et l'amour du risque, ou alors Oradour-sur-Glane, un village laissé à l'état naturel depuis 1944. Bah moi le Oradour il me plaît bien. Ouais. Le Oradour te plaît oui, bien. Oui, allez, soyons fous. Alors voilà, et c'est encore une bonne réponse, numéro 3. On n'arrivera pas à les piéger, hein. Tu rêves qu'elle te fasse un striptease. Comment le prendrait-elle ? Pas très bien, elle a autre chose à faire. Ou alors enthousiaste, elle s'exécute sur le champ. Ou alors maladroite, elle te demande le mode d'emploi. Pardon. Ah, moi je dirais la 2. Enthousiaste, elle s'exécute sur le champ. Ouais, ouais. La une. Ah oui, forcément. J'ai autre chose à faire. Ah oui, juste. Elle a l'encre à lever. S'il fallait nommer un film pour symboliser votre chair et tendre, symboliser Corinne, ce serait 9 semaines et demie, c'est hot et très inspiré.
Tati Daniel, elle est chiante au quotidien, mais elle est terriblement attachante. Ou alors Amélie Poulain, son caractère rêveur et aventurier fait toujours chavirer ton cœur. Laisse-moi le temps de répondre. Ouais. Alors, 9 semaines et demie, hot, c'est chaud et c'est très inspiré. Tati Daniel, chiante au quotidien mais terriblement attachante. Ou alors Amélie Poulain, son caractère rêveur et aventurier fait toujours chavirer ton cœur. Voilà, 3. Amélie Poulain, et c'est encore une bonne réponse. Bravo. Ouais. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Concernant la question des tâches ménagères, mon capitaine, c'est toi le monsieur propre du logis? Ou alors les rôles sont partagés équitablement comme une équipe de choc? Ou alors troisièmement, joker, on n'en parle pas, le sujet pourrait être conflictuel? Ouais, 2. Ouh, on n'en parle pas, le sujet pourrait être conflictuel. Wow. C'est le moment où il faut couper la caméra. Attends, j'ai oublié. On va arriver dans les 3 dernières questions. Attention. Si, donc dans un élan passionné, il y a beaucoup de questions coquines, hein, je suis désolé pour les téléspectateurs de moins de 18 ans. Dans un élan passionné sous la couette, tu déchires son plus beau chemisier. Comment Corinne réagit-elle? Faut imaginer le... c'est bon, j'ai déjà la réponse, vas-y. Madame adore le grand fauve qui sommeille en toi. Ou alors, deuxième réponse, elle tolère mais vous transmet toutes les infos pour le lui racheter au plus vite. Ou troisièmement, l'indignation est grande, elle se referme comme une huître. La 3. La 3. Indignation est grande, elle se referme comme une huître. Et tu avais mis 2. La 2. Oh merde, ah. Je peux t'arracher quelque chose. Mais tu me le repayes après. Ouais, bon, d'accord. Ce que je vous conseille, c'est de faire une précommande Javerne, tu vois. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Et comme ça, on pourra tout déchirer. Alors. Avant-dernière question pour toi, Michel. Avant de passer à Corinne. Si vous aviez pu épargner 10 euros à chaque fois que vous vous êtes fait un câlin le mois dernier, que pourriez-vous lui dire aujourd'hui? Chérie, fais tes valises, on part en thalasso. Ou alors, ça te dit un bon resto ce soir? Ou alors, question numéro 3, promotion spéciale sur le taboulé chez Carrefour, du coup j'ai pris 2 boîtes. Ah, il faut s'imaginer le nombre de câlins multiplié par 10 euros. On arrive au taboulé ou on arrive au thalasso ou entre les deux au bon resto? Je crois qu'on va se faire un bon resto. Un bon resto? Ouais. Un bon resto. Resto. Ouais. Ouais. Un bisous. Bon resto. Bisous, bisous. Bon. En évoquant la meilleure copine de Corinne, dernière question pour toi Michel. En évoquant la meilleure copine de Corinne, que dirais-tu? Que c'est une femme qui a tout pour elle, belle, sympa, mais hélas, déjà prise depuis belle lurette. 2. C'est devenue une très bonne amie aussi, elle est toujours la bienvenue chez vous. Ou alors 3. Toutes les raisons sont bonnes pour l'esquiver, elle t'épuise. Je serais assez pour la 3. Pour la 3? Toutes les raisons sont bonnes pour l'esquiver. Est-ce qu'on peut avoir son prénom de sa meilleure amie? Non, non, non. Bravo, bravo pour cette première manche qui est quasiment à sans faute. Il me semble qu'il y a eu... deux fautes. Il y a eu deux erreurs. Deux erreurs. Ouais. Ok, donc Corinne, il faudra faire mieux que 2 erreurs. Ok? Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Hé, hey, pub! Donc on attaque la deuxième manche des amours en mer. Alors, Corinne. Lors des préparatifs de ton mariage, de votre mariage, Michel était premièrement
une véritable force de proposition. Très impliqué, il avait l'œil sur tout, et cela en devenait presque usant. Ou alors, deuxièmement, un inspecteur des travaux finis. Après t'avoir laissé tout gérer, il se contentait juste d'émettre des critiques. Ou alors, troisième réponse, un fantôme. Sympa tel Casper, mais presque irréel. Force de proposition. La 3. La 3. 2. On est plus dans l'inspecteur des travaux finis. Bah écoute, voilà. Bon, bah voilà. Bon, ceci c'est dit, comme la, ça. La 2 et la 3, elles ouais, se rapprochent. Ouais. Elles se rapprochent. Ce qui me déplaisait dans la 2, c'est un inspecteur des travaux finis. C'était pas ça en non, fait. Non, c'est pas ouais. ça. Mais je t'ai laissé gérer. Deuxième question. Tu constates depuis quelques mois que Michel prend du poids. Quelle est ta réaction? Premièrement, tu lui sommes de faire un régime sous peine de le quitter. Deuxièmement, tu cherches à identifier une éventuelle souffrance et tentes d'en discuter avec lui. Ou alors troisièmement, certes il se laisse aller, mais il restera, quoi qu'il en soit, l'homme de ta vie. Quoi ? C'est une bonne réponse. Fromage, chocolat. C'est elle qui fait à manger. Faut pas oublier que c'est moi qui fais à manger, donc j'ai donc un certain contrôle. Ça aide. Alors, troisième question. Si Michou était un animal, il serait, premièrement, un lapin. Vif, doux et franchement pas cher à nourrir. Deuxième réponse, un renard, roublard et toujours à l'affût d'un profit en tout genre. Ou alors ce serait trois, un paresseux, trop lent et fatigué pour lui confier les tâches domestiques. Alors laisse-lui le temps de répondre. Ouais. Un lapin. Il manque des bouts, mais bon, on va faire avec quoi. Un renard ou un paresseux. Un renard. Bon, c'est ce qu'il y avait de plus sympa aussi à répondre. Ouais. Alors. Bisous. Un bisou. Quelle serait la boisson alcoolisée qui représenterait le plus Michel? En buvant une bière, une bonne bière à siffler entre potes, ou alors un délicieux cocktail à siroter à tes côtés, ou alors un vin rare conservé pour une grande occasion. Les trois. Trois. La trois? Ouais. Bah ouais. Mais il parle de moi. Bah oui, bah un bon vin qu'on partagerait ensemble. M'emmerde pas, tu me laisses ma bière ou bien. Ouais, la question c'était pas ce que tu bois, c'était plus qu'elle. Donc tu serais plus un vin rare qu'une THB. Ah non, je l'ai pas compris, c'était la question. Question suivante. Ok. Alors, de toute évidence, Michel pourrait être une star de cinéma ou de télé. Mais de laquelle se rapprocherait-il le plus? George Clooney, Nespresso, what else? Austin Power, pas un canon de beauté, mais il est aussi hilarant que irrésistible. Ou alors Terminator, plus balèze que lui, tu meurs. Allez, on va rigoler. Deux. Un. Là, j'ai fait exprès. Oh, mais non, je vous le jure. Lors de l'échange du premier regard, on est en quelle année d'ailleurs, le premier regard? Attends. Là, j'avais 14 ans. 78. Ouais. Non, 78. Ouais, j'ai dit. 78. Non, t'as dit un chiffre à la con, là. On dit 78. D'accord, c'est ça. Alors, en 1978, lors de votre premier regard, quel sentiment as-tu pensé qu'il ait éprouvé te concernant? Première réponse, placide. À ses yeux, tu étais une femme parmi tant d'autres. Ou alors deux, amoureux. Il savait que vous étiez fait l'un pour l'autre. Ou alors trois, en prédation. Ce soir, cette beauté finira dans mon lit. Premier regard.
premier regard, qu'est-ce que tu penses que lui a pensé de toi? Donc alors là, il faut vraiment que tu te mettes de ce qu'elle pense que t'as pensé, ouais, tu vois. Ouais. Donc... Deux. Oh. Ah. Oh, ça, ça mérite un bisou. Oh, un bisou. Amoureux au premier regard, finalement. Bah ouais. Ouais. C'est le vrai coup de foudre, alors, ça existe. Non, pas comme ça, ça s'est pas passé comme mais il y avait que ça comme réponse qui était la plus adaptée, ouais, on va dire. Sur le dance floor, Michel nous montrera plus tard dans la soirée qu'il est. Le John Travolta de la piste, sont déhanchés et imparables. Ou alors deux, Inspecteur Colombo, son ambition sera plutôt d'enquêter sur les pas de danse suspects. Ou alors 3, l'homme invisible. Toutes les occasions seront bonnes pour que nul ne puisse dire qu'il l'a vu danser. 3. Ça, c'est clair et net. Ah ouais, c'est facile. Votre concessionnaire reprend ton véhicule contre celle de ton choix. Ton homme opterait pour une Ferrari clinquante. C'était justement son rêve d'enfant. Ou alors B, une petite citadine toute option, une voiture avant tout fonctionnelle, simple et fiable comme il aime. Ou alors 3, un monospace pour la liberté de se déplacer en famille et en toutes circonstances. Tu veux changer ta voiture, tu prendrais la Ferrari clinquante, la petite citadine toute option, ou alors le monospace pour la liberté de te déplacer en famille en toutes circonstances. Le monospace. Ah voilà. Là on commence à jouer sérieux. Là. Ton mari te sommet de mieux te couvrir pour partir en balade. Et il avait vu juste. Comment te dit-il sous la pluie torrentielle qui vient de s'abattre? Prends ma veste, mon amour, tu risques de t'enrhumer. Ou alors, voilà, je t'avais prévenu. Mais il te donne quand même la veste. Ou alors 3, bon, là il ne reste qu'à trouver de quoi te couvrir. Bon courage en attendant. 2. Ah... Un homme aux petits soins, mais qui fait quand même la remarque. Bah, bien sûr. Mais normal. Normal. Alors, la vision de ton couple, c'est une relation simple, solide, basée sur des projets communs. Ou alors deux, c'est chacun fait ce qu'il a à faire selon ses objectifs personnels, l'individualisme fait progresser l'autre. Ou alors carpe diem, la vie c'est au jour le jour. Ah. Ouais. Relation solide basée sur des projets communs. Bon là, je pense que c'est la meilleure des preuves, hein, finalement, parce que le projet il peut pas être plus flottant. On est arrivé là parce que voilà. Ouais. Il y avait des projets. Ouais. Et solides. Alors, dans ton couple, une dispute ce serait un film de guerre avec des missiles fusant dans tous les sens. Ou alors une comédie romantique qui finit toujours bien malgré les péripéties. Ou alors un mélodrame aussi larmoyant que dur à oublier. 2. Et c'est une bonne réponse, une comédie romantique. Tu me laisses écrire? Oui, pardon. T'obéis. Mais... Alors, Corinne, jusqu'où s'étend réellement votre complicité? Premièrement, personne ne connaît le second prénom dont il n'est pas très fier, sauf toi. De son second prénom ou le mien? Le tien. Le mien, personne ne connaît sauf lui. Mm-hmm. Jusqu'où s'étend ta complicité, votre complicité? Personne ne connaît le second prénom sauf lui et il en est très fier. Ou alors, tu détiens l'exclusivité d'un lourd secret le concernant. Ou alors 3, l'histoire et le prénom de toutes ses ex n'est pas un secret pour eux. Non, la une. La une? Ouais. Je connais pas toutes tes ex, désolé. Menteuse. Hein. Ah, non, je connais pas toutes tes ex. Oh. Non. Mais oui. J'avais dit, tu les connais toutes. Bon, une piqûre de rappel. Bon. Ah, une petite erreur de temps en temps, c'est pas grave. Bah oui. Alors,
Le temps que tu passes à te pouponner dans la salle de bain lui paraît être une éternité. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Premièrement, t'as vraiment besoin de tout ça pour te sentir exister, Miss Mond? Ou alors, ma chérie, avec ou sans artifice, tu resteras toujours la plus belle à mes yeux? Ou alors... Pause de 10 minutes, j'ai besoin de la place et je peux plus attendre. La 2. Ah, c'est une bonne réponse. Ouais. Alors, une fille passe en bateau, comme à l'instant, voilà. Et sourit avec insistance à Michel. Ah ouais, là elle est belle, là, celle-là en rouge. Elle est live. À ton avis, qu'est-ce qu'il est en train de se dire dans la tête? Il est fier, rien à faire, je sens et je resterai toujours un beau gosse. Je suis et je resterai toujours un beau gosse. Deuxièmement, plutôt indisponible, pas de bol mademoiselle, je suis casé, mais vous avez du goût. Ou alors, plutôt parano, zut, je dois avoir la braguette ouverte. C'est bon, t'as répondu? Deux. Indisponible, pas de bol mademoiselle, je suis déjà casé, avec Corinne, depuis quelques années. Alors, on va arriver dans les deux dernières questions. Alors, ta voiture vient de caler à une heure de fort trafic. Paniqué à cause de nombreux coups de klaxon. Vous dites klaxon ou klaxon en Suisse? Ouais, klaxon. Klaxon, c'est bon? Ouais. Vous n'arrivez plus à redémarrer. Comment est-ce que réagit Michel? Pas de stress, ma chérie. S'ils ne sont pas contents, c'est pareil. Ou alors, je reprends le contrôle, passe-moi le volant. Ou enfin, la honte, j'espère que personne ne va me reconnaître. Allez, démarre, bon sang de bois. 1. Pas de stress, ma chérie, s'ils sont pas contents. Attends qu'il ait dit toutes les réponses. Non, mais je connaissais déjà la réponse. Et on arrive à la dernière question. Si Michel devait concourir à une émission télévisée, ce serait question pour un champion. Même pour un vieux dictionnaire Larousse, il est toujours flatteur d'illustrer son intelligence. Ou alors automoto, tester des bolides et être reconnu dans la rue, pour ses talents de pilote, c'est vraiment son truc. Ou alors les amours, dévoiler sa vie privée ne l'enchante guère, mais il est prêt à tout juste pour te faire plaisir. De automoto. Ah, c'est avant même la... Ok, et c'est sur cette bonne réponse que nous allons faire une coupure publicité. Donc, si vous avez envie d'aller aux toilettes, n'hésitez surtout pas. Nous voilà de retour sur le plateau des Amours en mer. Alors, pour cette troisième manche, vous êtes munis chacun d'un stylo et d'un quart de papier. Et vous allez avoir 10 réponses à inscrire aux questions que je vais vous poser. Ok? Alors bien sûr, on ne triche pas. Les réponses ne sont pas censées être les mêmes, quoique. Et il va falloir, donc la question va être commune, et la réponse, bien sûr, concernera le partenaire. Du coup, c'est et vrai. Nous avons un problème de stylo. Nous allons donc balancer la pub. Quelle est son heure de naissance? Et nous balançons une pub. Ok. Question à la con, hein. Attends, il faut qu'elle se récupère. Hein. Il y a le caméraman qui a des problèmes là. Non, tu sais ce que je vois? Ton album photo, la première photo. Ah oui. Ah, caméramatoïde. Ouais, cette photo a été prise à quelle heure, tiens? Deuxième question, sa ville de naissance. Ok. Troisième question, l'âge au cours duquel son compagnon a quitté
L'autre a quitté le cocon familial. La marque de sa première voiture. Tu peux la dessiner oui, c'est bon. Si tu veux. On arrive à la cinquième question. Sa plus grande phobie. C'est là qu'elle écrit lui. Ouais. Attends, je sais pas quoi répondre. Il n'a pas de phobie. Oh, je vais choisir l'humour. C'est bon pour toi, Michou ? Oui, oui. Le nombre de fois qu'il ou elle a passé son permis de conduire avant de l'obtenir. Question suivante, l'âge de son premier rapport sexuel. C'est facile pour toi, hein ? Bah, démerde-toi. Je l'ai pensé tout bas. Ah, ouais. Le surnom qu'on lui donnait lorsqu'elle ou il était enfant. Ouais. Avant-dernière question, le surnom, le métier qu'il ou elle rêvait d'exercer enfant. T'as l'air con avec tes lunettes. Oh là là. Dernière question, avant-correction, son groupe sanguin. On est bon ? Fini ! On échange les feuilles. Et on va voir qui a le plus de bonnes réponses, qui connaît le mieux l'autre. Et celui qui connaît le mieux, je le dis maintenant, fera la finale pour le couple. Ok ? Ah, l'un des deux va faire la finale. D'accord. Ah, c'est comme dans le vrai jeu. On connaît pas. Alors, l'heure de naissance. Faux. Faux. Bon, ben, faux. Alors, on veut pas de mauvaise foi, hein. On veut... Ah ouais. Bon, 9h30 du matin. 2h10 du matin. Ok. Bon, alors on met faux. Donc, comme quoi, même après 40 ans, on apprend, des... Ouais. On apprend des choses. Oh, mais c'est vieux ça. Attends, tu veux pas nous faire chier pour ça ou bien. Alors, la ville de naissance, t'es né où, Michel? Juste, La Chaux-de-Fonds. Michel, faux. T'es né où? À Vevey. Tu peux pas naître à Aigle à l'hôpital comme tout le c'est monde. C'est nos enfants qui sont nés à Aigle. Ah Michel. Oui, juste. Bon, d'accord. Bon, comme quoi, même après 40 ans, on peut apprendre des choses. C'est marqué sur mon passeport, hein. Oui, mais. D'accord. C'est bon. Alors. 3, c'était quoi? L'âge au cours duquel vous avez quitté le cocon familial. Non, moi je suis parti à 18 ans. T'as mis 20 ans. Ouais, moi je t'ai mis 20 ans. Et après ton apprentissage, t'avais 20 ans. T'as pris ton appartement. Bah, c'est juste. C'est validé. Et moi, c'est juste aussi 18 ans. Je me suis pris une petite chambre à 18 ans. Ouais. Ouais. Ok. Tip top. À 18 ans, une petite chambre, c'était pour les études? Ouais. Non, c'était pratique. Puis je faisais ce que je voulais le soir. Mais à midi, j'allais manger chez mes parents. En fait, t'as pris une chambre dans la maison de tes parents, c'est ça? Pas loin. Pas loin. Ouais. Alors, la marque de sa première voiture. Mini, juste. Mini, moi, une Fiat Abarth. C'est juste. Et c'est juste, ouais. On est bon. Sa plus grande phobie. Lui, il a mis juste, hein. Moi, c'est les cafards. Les cafards, ouais. Moi, c'est ma plus grande phobie. Ouais, bah, ça me plaît. Oui, okay. Oui. Elle est valide. Ouais, je valide. Ok. Le nombre de fois qu'il ou elle a passé le permis de conduire. Premier coup, juste. Faux. Deuxième coup pour moi. T'as fait deux coups, toi? Ouais. Ah bon, ben là, c'est juste. L'âge, alors on arrive à la question co, la question in, hein, l'âge du premier rapport sexuel. C'était facile, hein, pour moi c'était avec lui, donc il le sait. Hein. La réponse est bonne. Elle est bonne. Et la réponse est bonne également. J'ai mis 18. Ouais, c'est juste également. Ok. Au bol, hein, j'ai mis. Ouais, non, c'est juste. Oh, t'as dit quoi? Au bol. Au bol. Au bol. Au bol. Au bol. Le surnom qu'on lui donnait étant enfant. Lequel était-il? Bah, moi, j'avais pas de surnom, on m'appelait Corinne. Corinne? Ouais. Bah, Bouboule, ouais, parce que j'étais plus large que haut, donc c'était Bouboule. Ok. C'est juste. Le métier que vous rêviez d'exercer enfant? Faux pour moi. Non, faux pour moi aussi. Alors, c'était quoi les réponses d'abord? Alors, Michel, il a mis que je rêvais d'être coiffeuse. Ouais. Non. Tu rêvais d'être quoi? Danseuse. Bah, il m'a marqué radio amateur, mais moi j'ai toujours rêvé d'être marin. Marin, ouais. Ouais. Donc rêve réalisé finalement. Oui. Non, faux.
Et enfin, le groupe sanguin. En plus, c'est juste. A plus. Ok. On fait les totaux. Deux fautes. Oh là, toi, t'as mis quatre fautes hein, pour toi. Ok. Quatre fautes. Ouais. Allez. Donc, qualification de Corinne pour la finale. On peut l'applaudir. Ouais. Et petite coupure pub. Je me sens mal. Ah. Mais tout va bien, chérie. Et j'ai les lunettes pour le mal de mer. Ah, c'est génial. Je suis prête. Alors, cette grande finale du jeu des amours. Corinne, tu vas représenter le couple pour cette finale. Et donc, je l'annonce tout de suite, si vous gagnez, donc à gagner, si vous arrivez à enchaîner, donc le but du jeu, c'est de faire 5 bonnes réponses d'affilée en une minute. Dès qu'il y a une réponse fausse, on repart à zéro. Ah oui, c'est okay, vrai, il y avait ça à la fin du jeu. Donc, réfléchis bien. Pas trop précipité. On gagne quoi? Vous gagnez un voyage en mer sur un bateau. Waouh. Est-ce que tu es prête, Corinne? Je suis prête. Prête? Oui. On est bon? Alors attention. Oui, Jean-Pierre. C'est parti. Son chanteur préféré? Je sais pas. Son film culte? Bud Spencer Interstellar. Sa couleur préférée? Rouge. Le fruit ou le légume qui mange le plus? Pomme. L'acteur qui l'idolâtre? Je sais pas. La saison qui lui plaît le plus? L'été. Le dernier livre qu'il a lu? Je sais pas. Ce qui est la partie de son corps dont il est le plus fier? Sa tête. Le pays où il aimerait aller? Qu'il aimerait voir? Brésil. La tâche ménagère qu'il déteste passer? Le ménage, faire nettoyer. Ok, l'animal préféré? Le chat. Le parfum de glace préféré? Raisin. La minute est terminée. C'est stressant, hein? Oh purée! C'est stressant. Ouais. Bon, il me reste largement de quoi faire une deuxième manche. Ah bon? Il faut laisser une deuxième chance. Okay. Bah, je l'ai raté carrément, dis-le. Il va falloir. Voilà, là ouais, c'est. Ouais. Là, il y a des bonnes réponses, mais le problème c'est qu'elles ne s'enchaînent pas. Ouais, tu vois ouais. Le but c'est vraiment de les enchaîner, c'est ça qui est dur. Il en faut 5 d'affilée. Ouais. Il les faut d'affilée, donc tu as les 5 mais pas d'affilée. Ok? Donc, le chanteur préféré c'était Santana. Ah ouais. Sa série culte de film, et même lui a eu du mal à répondre, c'était James Bond. Mm. Sa couleur préférée. Rouge. Bleu. Ah. Ben. C'était le bleu. L'acteur qui l'idolâtre, bon là c'était compliqué aussi, mais il avait mis Clooney pour le coup. La saison qui plaît le plus, l'été. Le dernier livre qu'il a lu. J'ai l'idée. Il lit plein de livres, j'en sais rien, il me dit pas ce qu'il lit. Avec la cigarette. Ah, l'Encar. Comment arrêter de fumer. Ah ouais. Je le savais celle-là. La partie de ses yeux dont il est le plus fier. Bon, la tête, lui il était un peu plus précis. Les yeux. Mmh. Et le pays qu'il aimerait, qu'il rêverait de découvrir. Le Brésil. Mais t'es pas loin, Polynésie. Ah ouais. C'est à côté. Ouais. C'est à côté. Ok. On valide. Ok, bon. Est-ce que on se relaisserait une chance? Je me suis bien planté, hein. Ah, il faut être. C'était l'échauffement. Ouais. Alors son parfum de glace préféré. Rhum vanille. Rhum raisin. Pistache. Bah, tu prends tout le temps rhum raisin. Mais parce qu'il n'y a pas pistache. Tout simplement. Alors, mais on voit le stress aussi, parce que quand je t'ai demandé la tâche ménagère qu'il déteste, tu m'as dit faire le ménage. Ouais. Tu vois? Oui, ben nettoyer. Panosser. Ah, ouais. Et l'animal préféré, c'était bien le chat. Ok. Est-ce qu'on se laisse une revanche? Allez. Allez.
Mais toi, t'as eu le temps de réfléchir à tes réponses. Oui. Ah ouais. Ah bah, tu me connais ou pas? C'est pas juste, ça. C'est vrai qu'arrivé à notre âge, il faut un temps de réflexion. Tu peux pas avoir droit à 2 minutes. C'est vrai, c'est stressant. C'est le... On peut pas changer les règles. Allez, je te laisse 1 minute 30. Ok, merci. Grand seigneur. Oh là là. Grand seigneur. On va arriver sur les 5. Est-ce qu'on est prêt ou on n'est pas prêt? Ah bah oui, comme avant, j'étais prête. On est bon? Allez, okay, go. Ok, Corinne, on respire bien un bon coup. On se concentre. On a Michel en tête, Michel en tête, Michel en tête. Michel et rien d'autre. Je suis Michel, je suis Michel, je suis Michel. 3, 2, 1... C'est parti, l'instrument de musique qu'il aurait adoré jouer. Guitare. Oui. Le personnage qu'il aurait aimé être, un personnage connu qu'il aurait aimé être. Célèbre, connu. Charlemagne. Ce qui le stresse le plus au quotidien. Le vent. L'heure à laquelle il se réveille. 5h30. Ce qu'il aime le plus, ce que tu aimes le plus chez lui. Son... La qualité. Sa gentillesse. La personne de sa famille que tu admires le plus. Bah écoute, sa mère, c'est tout ce qui reste. La date de l'année de votre rencontre. 78. La première chose qu'il fait le matin. Fumer une clope. Le sport qu'il a jamais fait, qu'il aimerait faire. Passe. L'aliment qu'il mange le plus. Chocolat. La langue qu'il aimerait apprendre. Espagnol. Est-ce que pour toi, pour lui, est-ce que tout le monde avait droit à une seconde chance ou pas? Oui. Est-ce que il t'a déjà espionné ton téléphone ou tes adresses mail? Non. Son plat préféré? Des pâtes. Et c'est tout. Alors c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, parce qu'on avait, on en avait enchaîné 4, le plat préféré. Corinne. Des pâtes. Le plat préféré? Les pâtes, hein. Mais c'est juste, c'était les pâtes. Non, ça c'était l'aliment que tu mangeais le plus. Oui. Le plat préféré. Tu l'as dit en plus l'autre jour. Benkawan. Ah ouais, c'est avec, vrai. Ouais. Avec le stress, ah, bah, ouais, avec le stress c'est bon. Difficile. Hein. Ça aurait, j'aurais pu accorder les pâtes parce que sans la Thaïlande, je pense que c'est ce que tu aurais répondu. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on avait là? L'instrument de musique, la guitare, le personnage célèbre qu'il aurait aimé être. Un grand marin? Christophe Colomb. Ah ouais. Tu vois, sans le stress, tu connais. Oui. Et moi, je suis comme toi. Hein. Moi, dès qu'il y a un truc où il y a du temps ou du truc, c'est déconcertant. Ce qui le stresse le plus au quotidien? Le vent. Moi. J'ai pas osé. Être en retard. Ah ouais. L'heure du réveil. Ah, ouais. J'aurais aussi pu le compter l'heure du réveil. 6h, il a dit 5h30. Bon. Ça aurait pu passer. La qualité que tu aimes le plus chez lui, tu nous l'as dit hier en vidéo. Sa gentillesse. Non. Sa compréhension. Que... Je commence par un P. Par un P. Pas un P, un P. Un P. Ouais. Son P. La patience. Ah, la patience. La patience. Ah oui, la patience. Donc la maman, c'était bien la personne que tu admires le plus dans sa famille. 1978, c'est bon. Première chose fait le matin, j'ai accepté 2 réponses. La cigarette et le pipi, parce que paraît-il qu'il fait les 2 en même temps. le sport qu'il a jamais fait, mais qu'il aimerait faire. La course de Formule 1. Un truc réalisable, quoi. La grimpe, la marche... En tout cas, c'est pas un truc cardio, non? Il aimerait s'envoyer en l'air, Corinne. Ah, ouais. Parachutisme. Parachutisme, ah ouais. D'accord. Ah ouais? Ok. Alors, l'aliment qu'il mange le plus, c'est là qu'il fallait dire les pâtes. Et tu avais dit le chocolat. L'espagnol, c'était juste. Tout le monde a droit à une seconde chance. C'était juste. Il t'a jamais espionné. Et le plat préféré, on avait dit que c'était le poulet au curry. Mm-hmm. Bon, alors ce que je vous propose, je reviens vous voir dans 40 ans. Hein, et on voit si vous arrivez à décrocher le... Je pense que dans 40 ans, il va falloir augmenter le timing de ton... Ouais, ton... mettre 10 minutes. Ouais, hein. Il va mettre 10 minutes là. Après, ceci dit, il y a beaucoup de bonnes réponses. Elles ne s'enchaînent pas, mais c'est vrai que de mémoire, le jeu télé, les questions étaient plus simples, plus...
Là, il y avait du... Mais après, Kevin, je sais pas si tu me rejoins, le fait qu'on ait passé là quelques jours avec eux, ce qui est chouette, c'est que... Bah là, t'as le stress, toi, soit, mais nous, on avait les réponses. Ouais, c'est ça qui est fou. Tellement que vous étiez... Moi, j'aurais pu répondre à ta place, tu vois. Ouais, tellement ces trois jours, vous étiez authentique, on vous a observé, et on avait les réponses, mais sans le stress, en fait. Bah, du coup, on n'a pas gagné de croisière. Ouais. Oh, non. Bah, merde, continuez notre vie de merde sur notre bateau. Vous restez là. Ok. Super. On peut les applaudir, c'était une belle partie. Jusqu'en finale. Et on vous rejoint pour une prochaine émission. Très bientôt. En direct de... On ne sait pas où, quelque part autour du monde. Voilà. Mais sur Javerne. Sur Javerne. Oui. À bord de Javerne. Salut. Ciao, ciao. Bye. Ah, génial. Ah, on va pouvoir faire quelque chose. Là, t'auras de quoi faire. Ah, ouais. Toi, tu vas pouvoir la découvrir à distance. Ah, ouais.